Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. On se retrouve après les événements qui se sont passés la dernière fois, à savoir la trahison des membres du conseil qui au final n'en étaient pas, et tous les combats qu'il y a eu avec la source intégrale, le chevalier, etc. C'était quand même un peu riche en action, il y a eu quand même pas mal de dégâts également. Et du coup, eh bien, quand je suis sorti, j'ai rencontré Albert qui est venu me voir, et je suppose qu'il va me parler de ce qui s'est passé, des événements, en tout cas. On va voir ça, il m'attendait devant chez moi. Alors, Albert, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Hé, hey, Genio, tu es debout. Je suis désolé de te déranger après ce qui s'est passé hier, mais on m'a demandé de réparer les dégâts causés à la ville. Inutile de dire que je vais avoir besoin de ton aide pour obtenir certains des matériaux nécessaires. Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, d'après la liste de Mint, les deux priorités sont l'école et la porte. Tu préfères t'occuper de quoi ? Higgins s'occupera de l'autre. Je vais m'occuper de l'école, de la porte, Higgins, je vais m'occuper des deux. En fait, je n'ai pas vraiment le temps. Oh vas-y, nous on laisse rien à Higgins, nous on fait tout. Oh très bien, je savais que tu serais un peu occupé. En tout cas, pour l'école, il me faut 50 briquiniers, 100 briques en pierre, oula, 30 planches en bois composite et 20 plaques d'aluminium. Pour la porte, il va me falloir 20 blocs de béton, 40 briques de pierre, ouah, 4 piliers de bois et 10 étoffes étanches. Apporte-les-moi lorsque tu les auras. Ah ouais, c'est pas de la petite commande, là. Waouh. Ok. Bon, bah déjà, je vais récupérer ça. Et j'ai du courrier aussi. Qu'est-ce que j'ai comme courrier ? De la mairie. La plupart d'entre vous ont entendu ou vu ce qui s'est passé hier. Si vous avez des questions ou des préoccupations, venez me rejoindre ce dimanche soir au coin du feu pour discuter de tout cela. D'accord. Ok. Ah bah, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Alors par contre, j'ai trop d'affaires, là, il me dit. Ouais, mais en même temps, forcément, on a récupéré plein de choses. Attends, voilà, déjà, on va déposer... Hop, tout ça, hop, les graines, non, pas les graines, hop, ça aussi, ça c'est des graines, ça va dedans aussi, ça aussi au final, le saphir, ok, et ça c'est des, ça aussi, tiens, ça va avec, ça c'est des matériaux, ça, enfin c'est pas des matériaux, mais c'est du stuff, des trucs qu'on avait récupéré, alors attends, équipement. Voilà, parfait. Tiens, ça va là. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je suis passé niveau 40. Il y avait des trucs niveau 40. Ah, c'était ça, chapeau de voyage. Ok, vas-y, let's go. Et ça, du coup, ça va avec. Ah, short de voyage. Et j'ai pas la veste de voyage. Travail décontracté, aventurier. Ah bah non, j'ai rien. J'ai la veste décontractée. Ouais. Parce que là j'ai quoi ? Ah bah oui, j'ai le smoking, c'est vrai ! Ah bah oui, attends, on va enlever le... J'avoue, en fait, depuis que je me suis marié, j'ai toujours gardé le smoking, mais en vrai, on peut mettre autre chose. Allez ! Oh là là, regardez-moi ! Oh, on croirait un campeur, là, magnifique. Avec le petit bob comme ça ! Alors là, je peux vous dire que là, tout le monde va... tout le monde va se fiche de moi, sérieusement. Mais bon, c'est pas grave. Ok, trier, voilà. Alors, attends, il y a ça que je veux mettre dans... Autre, voilà, le petit crayon. Alors ça, c'est quoi ? Ceinture en cuir portée par les hommes généreux et sophistiqués. Ok, d'accord, une ceinture. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ? Hop, 35 de... Attends, ça c'est quoi ? PV max 35. Ah bah, c'est la même chose que l'alliance. Je vais garder l'alliance. Résilience, attaque plus 5. En vrai, attends, à la place de ça, je peux mettre ça, hein. Ah bah on la voit même pas, mais bon c'est pas grave. Ok, alors attends, je veux terminer de ranger un peu mes affaires. Déjà dans équipement, ça va dans équipement, ça c'est quoi ? Ah c'est une arme ça. Ça c'est une arme, ça fait des dégâts. Ah oui, en plus j'en avais déjà une pelle comme ça. Bah du coup le collier je peux le mettre dans équipement. Voilà, et les deux graines, je voulais les mettre dans les graines justement. Très bien, voilà. On a des graines là. Ah oui, tiens d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, c'est le coton. Attends, on va planter du coton.
Enfin, est-ce que je peux? Parce que du coup, vu que c'est Hack qui s'occupe de tout... Ah bah attends, il est là. Hop, j'ai bien travaillé, regarde un peu. Hello. Ok. Alors attends, agriculture. Attends, redonne-moi les graines de ça, là. Comment je fais? Voilà, tiens, prends ça. Est-ce que je peux prendre ça? Ah, voilà, parfait. Et plante-moi du coton à la place. C'est bon, il l'a pris? Ouais, il l'a pris. Ok. Mais par contre, là, il y a déjà des trucs dedans, donc... bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Dans un jour, 12 heures, deux jours, deux jours... Le blé, ça pousse vite, en vrai. Hein. Le blé pousse plutôt vite. Et du coup, attends, je vais juste enlever ce qu'il a dans le coffre, parce que s'il me reprend les graines de... Ah, il y a du blé et des fleurs. Ok. Je vais les mettre à côté. Je vais les mettre à côté dans le coffre. Voilà, à végétaux. Bon, alors du coup, il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à tout ce qu'on a à faire, là. Alors, l'avantage, c'est que vu que tout est en quête, voilà. Ok. Alors, briquinier. Très bien. Donc, il faut que j'en fasse 50. Ok. Alors, par contre... Ah oui, tiens, je vais pouvoir vous expliquer ça, parce que je me suis renseigné sur l'histoire de l'usine. Là, par exemple, j'en ai 50. Oh ouais, ça, j'en ai 150. Bah là, ça va être le bon exemple. Ça, j'en ai 150. Donc, en fait, je pourrais faire ajouter... J'en fais 150. Hop, j'en fais 150. Et c'est bon. Sauf que du coup, en fait, si vous voyez là, dans la catégorie fondre, j'ai 53 énergie de fondre. Je sais pas trop comment le dire, mais bon, j'ai 53 unités, voilà. Et vous voyez qu'il en utilise que une. Parce qu'en fait, c'est le nombre d'ordres qu'on peut donner. Et en fait, plutôt que de faire un ordre à 150... En fait, il faudrait que je fasse plusieurs ordres de plus petits chiffres, en fait. Il faudrait que je fasse limite 53 ordres de 30 ? De 3, pardon. Je pense que si je fais ça, attends. Et du coup, on a le bouton multiple, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que du coup, là, numéro dans la file d'attente, c'est combien je veux faire de briques par lot. Donc, je vais faire 5 briques. Et pour arriver à 150, 5, bah 30 du coup. Et là, je vais faire 30 files d'attente de 5 briques. Et là, vous voyez, paf, ça a utilisé 30 unités. Et pour le coup, voilà, ça va aller beaucoup plus vite parce que il m'a fait 30 ordres de 5 briques. Et du coup, bah là, globalement, ça va être assez rapide. En vrai, j'aurais même pu faire 50 ordres de 3 briques. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai peut-être d'autres choses à faire. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à faire pour le coup. Ça, pareil, les briques ignées, il m'en faut 50. Bah, je peux faire des ordres de 5 et je peux en faire 10. Un truc comme ça. Est-ce que ça marche ? 50, bah voilà, et parfait. Et là, ça m'utilise 10 unités de coupé. Donc ça, c'est bon. Le béton, hop, pareil. Le béton, ça utilise remuer. Et remuer, j'ai 6 possibilités. Et il m'en faut 20. Donc on peut faire 4. Ah non, je me suis planté là, attends. Je me suis planté sur le béton. Hop, annulé. Voilà, alors attends, que je revienne sur le béton. Attends, je vais aller là, voilà, béton. Multiple, en fait, faut que je clique sur multiple et pas sur ajouter. Et donc là, si je fais 4 x 5... Normalement, voilà, c'est très bien. Et ben, c'est exactement ce que je voulais. Alors, ça, c'est bon. Les planches composites, bah pareil, ça, il m'en faut 30. Alors, j'en ai déjà 5. Donc, en vrai, je peux faire 5 x 5. Ah, forcément. Bon, après, je peux faire plusieurs ordres comme ça. Hein, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus long de faire comme ça. Mais en soi, si je le fais 5 fois, ça revient en même. Ok, plaque d'alu, bah c'est bon, j'en ai 21. Donc ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, des piliers en bois. Bon là, il en faut que 4, honnêtement, je vais faire un seul ordre à 4, hein, clairement. On va pas s'embêter. Et étoffe étanche à 10. Bah en vrai, textile, tu peux faire 2. Et, ah mince, attends. Tu peux faire 2 et du coup, je voulais en faire 10, bah je vais en faire 9. Hop, et normalement, là... On n'est pas trop mal. Vous voyez, en fait, comme ça, ça répartit sur les différentes machines qu'on a. Ça répartit les instructions, les ordres de travail. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses après? Pilier, étoffe, j'ai lancé. Les plaques d'alu, j'ai pas lancé. Ah oui, mais c'est parce que je les avais. Bah, en vrai, ça, je vais lancer 5 et je vais en lancer... Bah, je vais en lancer 4. En fait, je vais faire 5 x 4, 20, mais en fait, je les ai déjà. Donc, c'est juste pour refaire mon stock. Mais ça, c'est pas très urgent, on va dire. Ok, donc là, on est pas mal. Par contre, j'ai déjà vu qu'il y avait des choses qui me manquaient. J'ai vu qu'il y a des choses qui me manquaient ici. Pilier en bois. Ah, il me manque du... Ah, bah voilà. Il me manque du coton, comme de par hasard. Comme de par hasard. Et sinon, il y a rien d'autre où il me manque des choses.
Non, ça a l'air d'être bon. Ok, donc il me manque du coton. Et ça, les piliers en bois, il en fallait combien? Attends, j'ai pas fait gaffe. Tac, 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 tac. Il en faut 4, donc 2, donc il m'en faut 8. Ok, il m'en faut 8. Ah, vivement qu'on ait notre coton, là. Attends, du coup, je vais aller hop, récupérer mon petit cheval. Vivement qu'on ait notre... Ah oui, c'est vrai que j'avais encore des trucs à récupérer ici. Alors, le coton, on va aller en acheter, du coup. Allons en acheter chez Martha, ici. Alors, magasin de vêtements. Très bien, il y en a là. Hop, j'achète. Oh, en plus, le marché est à 84. Du coup, il m'en faut combien, moi? 8? Bon, vas-y, j'en achète 10. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je pense que c'est la dernière fois qu'on t'en achète, hein, parce que là, ça commence à bien faire, ces histoires, hein. Bon. Alors, Toby... Oh, attends, tiens, Toby. D'ailleurs, bravo, Toby, parce que c'est lui qui a enlevé la pierre de pouvoir, là, de la machine, la dernière fois. Toi, Toby, j'avais noté que t'aimais bien les morceaux de pommes séchées, et malheureusement, j'en ai mangé pas mal la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, normalement, là, si je mets le coton... On devrait être pas mal, et je vais aussi déposer tout ce que j'ai récupéré entre temps. J'ai commencé à récolter, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, j'ai commencé à récolter des chenilles, parce qu'il y a bientôt l'événement de pêche, mais je crois que j'avais déjà dit, il me semble. Alors, est-ce que c'est mieux? J'ai pas vu matériel insuffisant, donc oui, ça doit être bon. Très bien, et bah écoutez, on est parfait. Et du coup, textile par contre. À textile, on a fait un truc mal, la textile. Comment ça se fait que le textile, ça prend autant de place? Pourquoi textile, j'ai que 16 et ça en prend 112? C'est quoi ce délire? Pourquoi ça en prend 112? Ah, parce qu'il a peut-être besoin de faire d'autres crafts. Il a besoin de faire d'autres crafts avant. D'accord, ok, il a besoin de fourrure abîmée. Ok, de toute façon c'est tous la même chose. Ah ouais, j'avais pas prévu ça en fait. J'avais pas prévu cette histoire. C'est pas grave hein, en soi. Par contre, je vais pas en avoir assez là. Ça en demande 20 à chaque fois et j'en ai que 107. Je vais pas en avoir assez là. Bon, je sais pas trop. On va voir, on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Sinon, faut que je farme un peu de fourrure. Après, on peut aller farmer... On peut aller farmer un petit peu de fourrure, hein, si besoin. Bon, alors du coup... Ah oui, du coup, il n'y a plus du tout l'école, en fait. Oh, bah attends, il y a un coffre, du coup. Il y a un coffre que j'ai découvert parce qu'il n'y a plus l'école. Génial. Oh, une lame broyeuse. Ok, sympa. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, du coup? Ah, ils sont revenus dans la ville. Ah, bah lui aussi, tiens, parfait. Ah, il y a l'épée. Vérifier. Épée ayant appartenu au chevalier rebelle, tu n'arrives pas à la soulever, requiert le niveau 70. Ah ouais. Ah oui, et la porte aussi, elle est pétée en fait. La porte aussi. Oh attends, tiens, Remington, tant que t'es là, j'ai des petits cadeaux pour toi. Hop. Ah bah il nous arrive de trouver des disques de données, généralement on les remet simplement au centre de recherche, mais de temps à autre on donne aussi quelques-uns à l'église pour contenter tout le monde. D'accord. Bah je vais te donner un cadeau pour augmenter notre amitié, et au final, rien qu'en te parlant, ça a augmenté notre amitié. C'est très bien, écoute. Pourquoi il se balade comme ça, lui? Ah, mais attends, il y avait un arbre ici! Il y avait l'arbre à vœux avec Ginger, on venait tout le temps. Bah, en vrai, c'est sympa aussi, comme ça. C'est sympa aussi. Mais, ouais, il y avait un grand arbre à la base. Bon, il y a des trucs qui ont un petit peu sauté, là. Hop. Alors, je vais aller chercher une petite mission en attendant que tout se fasse, là. Un petit truc rapido à faire. On va aller chercher ça. Hop, tiens Antoine, ça tombe bien que tu sois là. En plus, toi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Docteur Zoom, mon idole. Ah oui, vas-y, tiens. Prends un petit nup-up. Parfait. Alors, ah mais oui, il y a l'inspection. Ah bah, j'ai même pas fait exprès, mais bah, ok. Faisons l'inspection. Ah bah, déjà, il y a une trace ici. Très bien. Est-ce que je vois autre chose comme ça? Les boutons sont alignés de la même façon. Ok. Il y a l'air d'avoir une différence là. Ah, ok. D'accord. Ce que je disais, c'est marrant. Ils sont pas alignés de la même façon, les deux trucs. Ah, et là, c'est moins large. Ok. Parfait. Alors, ici. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet objet? Ok. Bah déjà, là, il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça.
C'était quoi ça? Une petite horloge. Ok. En même temps, l'objet était tout petit, donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il pouvait y avoir des... Bah déjà, il y a une trace de salissure ici. Ok, il y a une trace de salissure ici. Ok. Et du coup, le dernier... tac, 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 comme ça je ne vois pas... J'ai l'impression que la forme n'est pas la même. Non. Ah, c'est là, ok. Il y avait bien un truc qui me perturbait, mais du coup j'ai cliqué au mauvais endroit. Ok, très bien. Et ici, le ventilateur... bah déjà le bouton, c'est pas le même. Ok, en dessous il y a rien. Où est-ce qu'il y a des anomalies? J'ai l'impression que le bouton est pas pareil. Ah, c'est le derrière qui est pas pareil, encore une fois. Encore une fois, j'ai failli me faire avoir. J'ai quand même cliqué sur le bouton parce que j'ai l'impression que... Non, ok. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Les pales... ok. Où est-ce qu'il y a des différences? Je ne vois pas comme ça. Allez, où la dernière différence? Ah, j'allais dire là, mais non. Il y avait, je croyais qu'il y avait une trace de salissure. Attends, le socle, il est de la même façon. Ok. Ok, ça ressemble. Ah, ça se trouve, vous le voyez, et moi, je vois rien du tout. Alors, si c'est les pales, c'est pas évident à voir, hein, en vrai. Si c'est les pales, c'est pas évident à voir. Ah, mais attends, mais non, c'est le bouton, là. Le bouton, il ressortait. Un éventail. C'est un ventilateur, ça, plutôt. Bon, bah, du coup, pas de mission, au final. Pas de mission, vu qu'il y avait l'inspection. Bon, c'est pas grave, hein. C'est bien aussi, l'inspection. C'est bien aussi. Alors, je vais regarder rapidement, parce que, à mon avis, il va nous manquer des trucs, là. Il va nous manquer de la laine, là. Pas de la laine, mais du tissu, là. Alors, du coup... Ah, tiens, matériau insuffisant. Ah, il me manque du bois de peuplier. Ah mince, en plus, c'est sur le dernier. Faut que j'aille chercher du bois de peuplier. Ok, on y va. Mais à mon avis, hop. Je vais prendre le bus, parce que le bois de peuplier, c'est assez loin. En plus, il en faut pas beaucoup. Il en manque juste deux, de ce que j'ai vu. Bon, je vais en récolter un petit peu plus tant qu'on y est, mais... Mais bon. Allez. Voilà. On va récupérer ça. Du petit bois de peuplier, là. On va se faire ça rapido. Ok, salut, merci. Merci. Alors, vas-y. Let's go. Ça, je crois que c'est du peuplier, ça. Il me semble. Allez, coup de tronçonneuse. Allez. Ah, c'est un gros arbre, celui-là, hein. Celui-là, j'espère que ça donne du peuplier, ça. Hop, oui, bois de peuplier. Très bien. Je vais en couper 2-3, là, histoire d'en avoir un petit peu d'avance. Mais, ok, je sais qu'en off, si jamais j'ai des joueurs de libre, faudra que je farme un peu de peuplier. Pourquoi pas. Voilà, on va couper celui-là, et je pense qu'on sera pas trop mal. Ok. Hop, très bien. Tiens, d'ailleurs, si je récolte ces fleurs-là, est-ce que je peux avoir des chenilles? Ah oui, je peux avoir des chenilles avec celle-là. Ah, c'est parfait, c'est bon à savoir. Oh, il y en a plein, en plus. Là, il y en a aussi. Vas-y, je récolte. Hop. Enfin, il y en a plein. Non, il y en avait 3, en fait. Il y en avait 3 à cet endroit-là, et c'est tout. Ah non, là, il y en a encore. Ok, parfait. Parfait. Hop, parce que c'est vrai que les chenilles, du coup, c'est un peu rare. Par contre, cœur de dragon, je connaissais pas cette fleur-là. Et même ça, là, Asteria. C'est vrai que j'ai pas trop ramassé des fleurs. Enfin, en gros, je ramassais les feuilles là que je voyais. Souvent, c'était là que j'en voyais des petits buissons, des petits... où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà, ils sont là. Souvent, c'est ça que je ramassais pour les chenilles. Hop. Voilà. Et puis, il y en avait quelques-uns, voilà, aux alentours de chez moi. Mais c'est vrai que il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a pas tant que ça, de ces petits buissons. Ok, je crois qu'il y en a quelques-uns aussi dans ma côte, là. Il me semble qu'il y en a... Non, là, il y a du bois. Ah, là, ok, parfait. C'est ça. Très bien. Allez, ramasse. Ok. C'est tout. Oui, c'est tout. Okay. Très bien. Alors, je vais déposer, du coup, ce que j'ai récupéré, mon petit bois de peuplier, là.
Hop. Bon, ça, vas-y, dépose-le dedans. Hein. Bon, du coup, j'ai les fleurs. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, où c'est qu'on en est? Où c'est qu'on en est? Est-ce que j'ai d'autres choses? Voilà. Il me manque du bois. Bon, non, tu vas pas me dire qu'il te manque du bois. Tu vas pas me dire qu'il te manque du bois. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le bois, tu peux en faire. Alors, attends. Où est-ce qu'on peut en faire le bois? Je peux transformer du bois, vous savez, en... Je sais pas si on... En fait, je suis pas sûr que la recette, elle existe... Bah si, elle existe forcément. Elle existe forcément, cette recette. On pouvait pas faire du bois avec du bois dur? Bah si, regardez, là. Attendez. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le fait pas de lui-même? On peut pas faire du bois avec du bois dur? Non mais oh. C'est une blague, ça. C'est une blague. Eh ben non, il n'y a pas la recette, tiens. Il n'y a pas la recette de faire du bois avec du bois dur. Ah, c'est pour ça. Ah bah attends, moi je vais t'en faire du bois. Je vais le faire à la main, c'est pas grave, mais... Hop, du bois dur. Oh bah, pff, ouais, clairement le bois dur, en plus on en a masse. Masse. Alors, vas-y. Fabrique-moi du bois avec du bois dur. Non, c'est ça. Allez. Fabriquer, fais-moi le maximum. Surtout que c'est instantané, donc c'est dommage. C'est dommage. Voilà, allez, restock-moi tout ça. Hop. Non mais oh, il me manque du bois, et quoi encore. Ah, par contre, là... Ah bah voilà, j'avais bien dit que la fourrure, ça allait pas être suffisant. Ok, donc il me manque de la fourrure abîmée. Alors ça, je crois que c'est les lamas qui donnent. Bah, puis les moutons aussi, mais du coup, c'est pour ça que je fais plus de moutons. Parce que la fourrure, c'est souvent un problème. Alors, salut les petits lamas. Hop, et désolé de vous embêter. Hop, allez. Oula, attention. Trop de lamas, là, dans le coin. Hop, ok, ça, c'est réglé. Je crois qu'il y en a en bas de chez moi. Ouais, voilà, parfait. Oh, en plus, ils sont tous stackés au même endroit. Allez, donnez-moi de la laine, là. Donnez-moi de la fourrure. Parfait. Ok, et je crois qu'il y a un autre spot plus loin aussi. Il y a là, et puis il y a aussi à l'autre bout de la rue. Voilà, parfait. Ils sont tous au milieu aussi. Ils sont tous là. Ok, parfait. Et je vais aller tuer les autres là-bas aussi. Normalement, il y en a dans ce buisson-là aussi, non? Ah, si, quand même. Je savais bien. Les spots à lama, je déconnais parce que... Et à un moment, je les ai quand même pas mal farmés. Hop, voilà, attention. Je me fais embêter par les feuillages qui viennent dans la caméra, là. Ok. Ah, il y en a encore un, là, qui est revenu. Il y en a encore un qui est revenu. T'aurais pas dû revenir, mon petit pote. Hop. Ok, il est où, mon cheval, par contre? Ah, il est là. Il est là. Et du coup, pendant ce temps-là, est-ce qu'ils ont respawn, les autres? Oui, ils ont respawn. Oh, il y a même le lama chef. Il y a même le chef des lamas, regardez. Le lama cotonneux. Celui qui nous a fait galérer l'autre jour dans le truc de capture, là. Parfait. Ah, bah, oh, l'autre, là, il me respawn juste devant, là. Ça se passe pas comme ça, hein, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Ok, est-ce qu'il y en a de nouveau ici? Oui, parfait. Parfait. Ça, c'est bien, en vrai, ils respawnent assez vite, les animaux, les créatures, etc. Très bien. Et là-bas, on va refaire un petit tour. Hop. Bonjour! Allez, hop, c'est réglé, moi aussi. Déjà, un petit peu de fourrure, alors ça va pas nous sauver entièrement, mais ce sera déjà pas trop mal. Voilà, du cuir, de la laine. Oh, j'ai eu les lunettes du boss aussi. ça me fait rire. Ah ouais, il manque encore des trucs, de la fourrure abîmée. Ah ouais, bah là... Là, c'est galère, ça, la fourrure. C'est galère. La fourrure abîmée, je peux pas en faire. Non, je peux faire de la fourrure. Non, je peux pas faire de la fourrure abîmée, en fait. Non, mais il va falloir que je farme un petit peu Ah, mais oui, il y avait la réunion. Mince. Il va falloir que je farme un petit peu les lamas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à la réunion? Il a dit quelque chose, mais... Il s'est pas passé grand-chose. Tiens, j'en profite tant que je suis à côté de tout le monde, là. Hop, ok. Alice. Salut! Hop, tiens Alice, je t'offre un petit cadeau. Un petit collier en cristal. Voilà, parfait. Antoine, je t'ai déjà donné un truc. Police. Sonia, je crois que t'aimes bien. J'ai un collier que j'ai fait pour toi, je crois.
Hop, voilà, j'avais fait un collier jaune. Ah, bah voilà, la relation avec Sonia, ok. Émilie, Antoine et... Ok, Django. Et Django, je l'ai vu, il était là. Ah bah, il y a même le professeur, tiens, parfait. Parfait, parfait. Hop, les conseils du médecin. Mais oui, je suis les conseils du médecin. Hop, voilà, et Django. Django, petite recette. Petite recette, Django. Allez, une bonne recette, là. Avec des œufs, de la crinière touffue. Je sais même pas ce que c'est, vas-y, je prends ça. Hop, le ragoût de viande et de champignons. D'accord, ok. Bon, bah, on fera un ragoût de viande et de champignons. Hop, poli... Oh, attends, Isaac. Du coup, je me suis renseigné sur certaines, certains personnages que, pour l'instant, je m'étais pas trop intéressé. Par exemple, Isaac, il aime bien le thé. Alors, c'est pas un truc extra, c'est plus 3, mais c'est toujours mieux que rien. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. Hop, par contre, viens là. Bah, je pense que du coup, va falloir qu'on aille dormir. Mais ce qui m'embête, c'est que je vais pas avoir de laine. Hein, toujours. Ah, par contre, je vais en avoir avec mes moutons. Donc, vas-y, vas-y, on va dormir. On va dormir. Hop. On va passer la première journée. Je pense qu'il y a moyen d'avoir... Ah, quoique, il en manque pas mal, quand même, de la laine, de ce que j'ai vu. Il y avait 5-6 crafts où il manquait de la laine. Et en sachant qu'il en faut 20 à chaque fois, là. Enfin, c'est pas de la laine, c'est de la fourrure, pardon. Je dis de la laine, mais c'est pas de la laine. Ok. Parfait. Expérience gagnée 2700. Ça, c'est l'usine, en fait. Pour ceux qui se demandaient, l'expérience que j'ai le matin, c'est l'usine. C'est tout ce qui s'est fait durant la nuit. Ça me donne de l'expérience. Et c'est plutôt sympa. Alors, du coup... Ah, bah j'ai du courrier, tiens. J'ai du courrier. Vérifier. Bon, déjà, je vais récupérer ça. Est-ce que tu as ramassé... Ah, oui, j'ai vu qu'il y avait... J'ai cru voir qu'il y avait de la fourrure. J'ai vu de la laine, en tout cas. Je sais pas s'il y a de la fourrure, mais il y avait de la laine. Alors, de la mairie. Le jour de pêche annuel de Portia a lieu ces vendredis et samedis pour participer à Porte ta canne à pêche et ta patience et inscris-toi. Ah bah oui, on est en train de préparer, là. Il me faut des chenilles, mais ça va arriver. Ok, ah oui, ça c'est l'inspection. Très bien, bah écoutez, on garde. Et Merlin, tiens, des pièces anciennes usées, prends-les. Un ressort. Merci. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors du coup, est-ce que si je mets... Ah, j'en ai eu deux, ouais, super. Super, super. Je vais aller loin avec ça. Je vais aller très loin avec ça. Alors, je pense que je vais aller vite fait taper des petits lamas là à côté. Malheureusement, ah, attends, qu'est-ce qu'il reste du coup? Ah bah ouais, bah, il reste que ça, voilà. Donc les briques sont terminées, a priori. Les briques, ouais, je pense que là, on a à peu près tout. Bah c'est bon, non? Il m'en fallait pas 10. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il... Je me serais pas planté, genre j'en ai demandé de trop. Attends, combien il m'en fallait? Ah oui, 10. Attends, on va récupérer tout. On va récupérer tout, voilà. Ok. Alors, 50, 20, 150, 25 sur 30. Ah, il me manque des planches en bois. Bon, c'est bizarre pour toi. Ah non, c'est parce que j'en ai dans... Ah bah c'est bon, du coup, j'ai tout. C'est parce que j'en ai dans le coffre, à mon avis. Je dois avoir des planches quelque part. Oui, voilà, parfait. Parfait, et du coup, 20, 10, 4... Et bah voilà, parfait, on a tout. On a tout, et bah c'est parfait. Bah en fait, je pense que j'avais demandé... Bah attends, du coup, je vais les annuler, les demandes. Mais je pense que j'en avais demandé trop... Des étoffes, je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais oui, j'avais demandé, j'ai vu, j'avais demandé 10 étoffes x 2. Non, attends, j'avais demandé quoi? Je sais pas, je me suis planté. Je me suis planté sur les étoffes, c'est pas grave. Et du coup, voilà, là on est bon. Là on est bon, là on est bon. Je vais aller dire un petit câlin à mes petits moutons, là. Voilà. Et d'ailleurs, faut que je mette de la nourriture, parce que j'ai remarqué que Hack ne met pas de nourriture aux animaux. Il met pas de nourriture aux animaux, alors je pense que ça doit être encore un autre pouvoir qu'il a pas. Mais du coup, bah voilà, il y a juste ça à penser. Parce que en fait, il y a un moment où les moutons, pendant 2 jours, ils ont pas grandi. Et je me posais la question pourquoi, et en fait, bah je pense que c'est parce qu'ils ne mangeaient pas. Et du coup, toi c'est pareil là, tu veux que je te nourrisse? Tu veux que je te nourrisse? Voilà, ouais, oh il a faim, ça va. Hop, étable. Ah, la loyauté, elle a baissé par contre. Ouais, bah, en même temps, je lui fais plus de câlins, mais bon. C'est pas grave. Hop. Je suis quand même gentil avec lui. Tiens, c'est rare de les voir, elle, là. Ah, attendez, d'ailleurs. Il y en a pas une qui aime bien, les abricots secs. Je crois que j'avais vu ça. Attendez, j'avais des abricots secs. Ah merde, c'est pas elle. Attends, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être elle, Polly. C'est peut-être elle. Ok, cadeau, abricots secs.
Ah, c'est ça. Je sais qu'il y avait la blonde et une des brunes, mais du coup, bah, je savais pas laquelle. Je ne savais pas laquelle. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Qu'est-ce qu'il a récolté, encore? Je ne sais pas. Ah, l'excrément d'animal, je suis très content. Et Toby... Toby... Ah, il veut quoi? Un masque de chauve-panda. Oh, en vrai, ça peut se tenter, hein. Ça peut se tenter. Tiens, je te donne déjà... ça. Voilà, parfait. Ah, mais non, attends, du coup, je vais pas pouvoir lui... Ah, bon, bah, c'est pas grave. Je vais pas pouvoir lui donner le chauve-panda. Alors, du coup... Ah, ok, il faut que j'aille donner à Albert. Eh ben, allons donner à Albert les ressources. Ah, bah là, il va être content, là. J'y apporte tout le lendemain. Non, attends, le surlendemain. Le... Non, même pas le lendemain, il me l'a demandé hier matin. Hop. Oh, tout cela sera utile. Merci. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ton étranger, pas peur, sa colite. Oh là là! J'ai eu plein de social qui s'est enchaîné, là. Ah, attends, j'ai vu Papa Ours, j'ai vu le cochon. Attends. J'ai vu Papa Ours, ici. Ok, il est devenu mon acolyte. J'ai vu le cochon aussi. Non? J'ai vu qui? Je sais plus, mais incroyable, ça! Ouais, j'ai plein de monde, mais du coup, je sais plus qui a monté, exactement. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Pourquoi j'ai cru voir le cochon aussi? Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, ça, c'est cool, ça! Ah, justement, je me disais... Ah, mais non, mais je veux pas te parler, je veux sortir, en fait. Laisse-moi sortir, Ghost! Ah, voilà. Je voulais pas te pousser, mais bon, en même temps, tu mets pas du tien, hein. Bah, du coup, c'est cool, parce que je me plaignais un peu qu'on ait pas beaucoup d'avancée dans le social, et au final, eh ben, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Hop, tiens, d'ailleurs, Lucie... Attends, quoi... Dou a fait un... Dou a fait un 360, là, non mais oh. Enfin, un 180, plutôt. Hop, tiens, t'as failli pas avoir de cadeau, hein, Lucie, hein. Hop, parfait. Je suis très sympa. Bah voilà, merci, ça me fait plaisir. Allez, let's go. On va à la guilde, et cette fois-ci, je vais prendre une quête, vraiment. Hop, il est pas là, Antoine? Ah bah si, il est là, tiens. Hop, salut! This is exhausting. Hop, c'est épuisant. Bah tiens, prends ça, un petit nœud pape. Fais-toi beau pour le Dr Xu, je sais que t'es amoureux du Dr Xu. Alors, qu'avons-nous? Nous avons besoin d'une boîte à piège avancée. Ok, en soi, j'en ai une et j'arrive pas à l'utiliser, donc il y a peut-être moyen que j'accepte cette quête-là. Des extenseurs. Ok, avec Arlo. Bon, Arlo, je suis déjà pas mal ami avec lui, en vrai. Et des tapis. Oh, les tapis en lin, c'est galère à faire. Ouais, bah. Allez, Sam. Vu que j'arrive pas à les utiliser, les boîtes à pièges, eh bah, du coup, je vais te la donner, celle que j'ai en avance, là. Et comme ça, ce sera pas mal du tout. On aura une quête faite très rapidement. Je vais chercher ça et je reviens. Par contre, pourquoi j'ai des ressources encore sur moi, là, le moteur, etc. J'ai eu ça où? Ah, c'est peut-être... Il m'a peut-être donné en récompense, comment il s'appelle... Mince. Albert. Alors, attends, du coup, elle est où la boîte? Ah non, attends, elle est pas là-dedans. Elle doit être dans les coffres. Ça doit être dans autre. Oui. Ah, mais même, j'en ai deux. Ah non, la avancée, c'est celle-là. Ok. Très bien. Et bah, du coup, on va aller voir Sam qui a l'air d'être au restaurant. Et bah, ça tombe bien parce qu'en plus, comme ça, je vais pouvoir aller voir également Django et lui demander une recette. Et j'espère que je vais avoir une nouvelle recette encore. Alors, Django, bah tiens, il est là. Il est là. Ok. Allez, une petite recette. Avec du lait. Ouais. Une tarte aux fruits. Encore ? Et donc ? Il en veut de sa tarte aux fruits, hein. Elle est où, Sam ? Où est-ce qu'elle est, Sam ? Elle est là ? Non, elle est pas là. C'est un leurre ! Je pense qu'elle est sortie au même moment où je suis rentré. Ah mince ! Bon, c'est pas grave, je suis venu voir Django, c'est toujours ça de prix. Mais du coup, je pense qu'elle a dû sortir au moment où je suis rentré. Ou alors elle était... Ah bah oui, elle est... Ou alors elle était à côté, effectivement. Elle était peut-être à côté. Elle était à côté, en fait, depuis le début. Mince. Hello. Alors, tiens. Hop, si tu as des problèmes, n'hésite pas à demander de l'aide à la brigade. Yes. Parfait. Hop. Oh, il y a le chat, attends. Je vais lui donner du poisson. Voilà. Cadeau. Poisson. Bim. Très bien. Et d'ailleurs, je peux peut-être essayer de faire un petit tour, là, des gens. Pour offrir des cadeaux, parce que j'ai des cadeaux un petit peu pour pas mal de gens. Hey. Alice.
Ah bah super. Bah dis donc, je parle à tout le monde là, tout le monde devient mes amis. Génial. Alice est ma bonne amie maintenant. Très bien. Très bien, très bien. Alors je connais pas les cadeaux de tout le monde comme ça. Remington, tiens. Remington, je sais que... Ah bah tiens, il a une quête. Qu'est-ce que c'est ta quête? Ah, est-ce que je dois y aller ou rester ici? Oh, salut, géniaux. Hey Remington, que se passe-t-il? J'ai besoin de te demander quelque chose et c'est un peu délicat. Je vais à la portée des, que veux-tu? Alors, je connais quelqu'un qui a un problème médical et ça va bientôt affecter son travail. Et cette connaissance s'inquiète un peu que les gens le découvrent. Alors, il faut qu'on soit discret. Je suis toujours là pour t'aider, Remington. Dis-moi juste ce qu'il te faut. D'accord, alors le problème est une mycose des pieds. Je sais que tu fouilles dans les ruines de temps en temps, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Mais les endroits humides et les pieds qui transpirent peuvent donner des champignons. J'étais... Oh, c'est pas moi. Mon ami était si gêné par ce problème de mycose. Mais récemment, j'ai trouvé une puce où il était écrit « Le remède contre les champignons », alors que je patrouillais près des ruines abandonnées. Et j'étais... Mon ami était si heureux de ma trouvaille. Je vois. Pourquoi tu t'en occupes pas, alors? Ah, géniaux. La technologie et moi, ça fait deux. Ça me fait même peur, parfois. Je sais que c'est ton truc, tu pourrais peut-être m'aider avec cette recette. Bien sûr, Remington, et ton secret de mycose est bien gardé avec moi. Merci, on peut compter sur toi. Viens me voir à la brigade civile quand t'auras terminé. D'accord. Ah, c'est une puce du coup, c'est même pas une recette. D'accord, Est-ce que... Attends, je vais essayer d'aller voir Hack. Est-ce que faut que j'aille voir Hack? Ah, il a un point sur lui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Salut, c'est... Waouh, est-ce que c'est bien ce que je pense? Une puce de données. C'est bien ça. Remington me l'a donné. Est-ce que tu peux la lire? Bien entendu. Lire les puces de données est une fonction de base pour toutes les IA. Disons même que n'importe quel robot laveur de rue peut le faire quand elles ne sont pas chiffrées. Laisse-moi essayer ça. Statut normal. Autorité non chiffrée. Non... Le remède contre les champignons. Lecture terminée. Nom d'une confiture. C'est une puce de remède contre les champignons. Je me souviens à quel point elle était populaire. L'une des plus vendues parmi les 3000 astuces médicales magiques en édition limitée. Prends ça, s'il te plaît. Ah, d'accord, lui me l'a converti en bouquin. Et du coup, je peux l'apprendre? Ah, ok, du coup, faut que j'aille le crafter, je suppose. On va aller voir. Est-ce que c'est galère à faire ou pas? Est-ce que c'est galère à faire, cette petite puce, là? Enfin, pas la puce, mais le remède. Ok, des herbes, du coton et des... Bah, écoute, vas-y, let's go. Let's go, let's go. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Allez, on récupère. Parfait. Et du coup, eh ben, on va y aller. Allez voir la brigade civile. Très bien. Hop. C'est toi, Arlo, la brigade civile? Enfin, non, je sais que c'est pas toi, mais... Hop. Je vais te donner un petit cadeau tant que t'es là. Je t'ai vu. Voilà, parfait. La brigade civile. Bon, et bah du coup, on va monter. On va remonter en haut. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'arrive pas. Hop. Compliqué des fois, hein. Compliqué. Allez. J'arrive, j'arrive. Remington, j'ai le remède. Tu n'auras plus de problème de mycose. Géniaux, te voilà. Remington et moi t'attendions depuis longtemps. Arlo? Remington m'a dit de le trouver ici pour un problème qu'il a, mais il m'a pas dit que tu serais là. Un problème que j'ai? Je t'ai dit que c'était pour mon ami. Oh, je croyais... Ton ami? Lequel? Il a dû oublier. Arlo, allez, je t'en ai déjà parlé. Oh, oui, bien sûr, je m'en souviens. J'ai failli oublier, j'ai eu en effet un problème dernièrement. Bien, assez parlé. J'ai... Arlo a hâte que son problème soit résolu, géniaux. Donne-lui le remède. Eh bien, merci. J'apprécie vraiment. Pardon, mais je dois partir maintenant. À plus tard, Remington. Merci, géniaux. Je ferai tout pour mes amis. Tout comme toi, on dirait. J'apprécie vraiment. Tu es la seule personne à qui je fais confiance pour un sujet aussi délicat. T'es super, vraiment. Et pardon, je me suis un peu emporté, j'ai...
J'ai une patrouille à terminer. J'espère que je te reverrai plus tard. Très bien. Par contre, on en parle de ce tableau de la Joconde, là. Il est flippant. Hein. Il est flippant, ce tableau. Moi, je m'en vais, hein. Eh, c'est la chambre de Remington. Et par contre, Remington, tu nous l'as fait pas. Hein. C'était pour toi. Oh, ils sont là, eux. Ah, chais. Chais, ils sont en prison. Ah, je vous parle même pas, là. Je vous crache dessus. La bande de traîtres. Alors, les traîtres, c'est bon, là. Hein. Ah. Ah, je l'ai eu mal, hein. Je l'ai eu mal, ce coup-là. Alors celui-là, je lui faisais un peu confiance, je me disais, ah, elle est un peu directive, elle sait ce qu'elle veut, etc. Au final, bah ouais, c'était une grosse traître. Bon, bref. Eh ben écoutez, on est pas mal en vrai. On est pas mal du tout. Alors du coup, je pense que prochainement, on va voir les réparations de l'école et de la porte. Bon, j'avoue qu'entre nous, la priorité, c'était surtout l'école, hein, parce que la porte, bon, c'est pas grave, hein, la porte, à la limite, on peut passer quand même, mais l'école, du coup... Et c'est pour ça en fait qu'ils sont tous dehors les gamins. Je me disais c'est bizarre, d'habitude on les voit pas dehors. Mais c'est pour ça, il y a pas d'école en fait. Il y a pas d'école. Ah, oh, c'est bien fait du coup. C'est super bien fait, j'avais pas pensé. Mais bah écoutez, super, super super. Et bah écoutez, nous je pense qu'on va pouvoir se laisser ici. On aura bien avancé, du coup j'aurais fermé les ressources mais ultra vite. Du coup on a bien géré. Heureusement que j'ai l'usine qui marche vraiment bien et qu'on peut un peu paralyser en même temps les demandes. Je pense que là pour terminer la journée, moi je vais aller chercher un petit peu des chenilles etc pour préparer le tournoi de pêche. Mais voilà, peut-être que je passerai une ou deux journées en off pour récupérer des vers de terre et puis peut-être du bois de peuplier aussi. J'ai vu que j'en avais plus du tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, ça a été surtout la préparation pour la reconstruction de la ville après les événements et les combats qu'il y a eu la dernière fois. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play sur My Time at Portia. Bye tout le monde!